Merci d'être venu donc à ce topo sur que faire la fameuse brochure de Lénine. Alors, c'est un ouvrage qui est mythique. Alors, j'ai envie de vous dire pour de bonnes raisons, mais peut-être pas forcément celle qu'on croit. En tout cas, en ce qui me concerne, au moment où la première fois où je l'ai lu, ça avait la réputation, on m'avait dit que c'était un peu le livre définitif concernant la construction du parti. Et en fait, quand tu lis Que faire, c'est pas du tout ça. Tu te rends compte, enfin, on va en reparler, c'est surtout Mathis qui va développer cet aspect des choses. Pour Lénine, le modèle du parti existait déjà. C'était le SPD, le Parti social-démocrate allemand, celui qui, bien après, allait trahir en se rangeant du côté de la guerre impérialiste. Mais à cette époque-là, pour lui, c'était le parti modèle. Et en réalité, Que faire parle d'une étape de la construction d'un parti, le Parti ouvrier social-démocrate russe. Et donc, l'idée, là, aujourd'hui, c'est d'essayer de toucher du doigt qu'est-ce que c'est que cette étape de construction d'un parti. Alors, on est, je pense, beaucoup ici à être convaincus que ce parti, le parti bolchevique, a des choses à nous apprendre parce qu'il a dirigé la révolution russe. Mais on étudie quand même beaucoup moins les premières étapes de construction de ce parti. Et ce qui est intéressant dans Que faire, c'est les débuts, quoi. Bon. Alors, je vais commencer par vous donner, essayer de vous donner à planter le décor. Alors, pour comprendre d'où vient Que faire, qu'est-ce que c'est que cette brochure, il faut comprendre, je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà un peu au courant, mais ce que c'était que la Russie au tournant des 19e et du 20e siècle, et à quel moment on est. Si vous voulez, évidemment, enfin, évidemment, comme on le sait un certain nombre d'entre nous, la Russie à ce moment-là était une poudrière. L'autre expression qui est souvent employée, c'est le maillon faible, le maillon le plus faible de la chaîne impérialiste. Pourquoi c'est une poudrière? Parce que c'est une société très majoritairement paysanne, mais où le capitalisme commence à se développer de manière tardive par rapport aux autres grandes puissances, par rapport à l'Angleterre, à l'Allemagne, à la France, mais connaît un développement accéléré, très accéléré. Pour vous donner une idée, sur 92 millions d'habitants à la fin du 19e siècle, il y a 10 millions de travailleurs salariés. L'immense majorité, donc, c'est des paysans très très pauvres, dont les conditions d'existence sont très peu évoluées depuis plusieurs siècles. Mais les usines qui sont implantées ne refont pas le chemin qui a été fait par le. C'est directement les usines les plus grosses et les plus concentrées du monde. Voilà, la tronche que ça a, c'est des usines comme ça, très modernes, les plus modernes du monde en réalité. Donc vous avez des espèces d'îlots. Dans les villes, les principales villes russes, un prolétariat très concentré et qui fait face à la pire dictature du monde. 80% du budget du tsarisme, c'est la répression, avec police, armée, police secrète, une police secrète plus moderne que la plupart des autres pays, qui se modernise justement à ce moment-là pour faire face au mouvement révolutionnaire, des prisons. Bon. Et si vous voulez, il y a un face-à-face. Qui commence à ce moment-là, justement entre cette classe ouvrière qui a des forces potentiellement immenses et une dictature qui n'admet pas la moindre contestation. Et donc, on a une explosivité de la lutte de classe sur place. Bon, ça c'est le premier point, poudrière. Le deuxième point, c'est les particularités du marxisme russe. Le marxisme russe, ce qui est très particulier, si vous voulez, en schématisant un petit peu, dans d'autres pays comme en France ou en Angleterre, le mouvement ouvrier s'est développé par lui-même et le marxisme est arrivé après, y compris a dû combattre d'autres formes d'idéologie, en gros réformiste ou pas du tout anticapitaliste. Là, c'est presque l'inverse. Le marxisme existe avant le mouvement ouvrier moderne, arrive en avance. Et le premier courant politique qui occupe la scène au milieu du 19e et même jusqu'à la fin du 19e, c'est ce qu'on appelle le populisme, les narodniki. C'est un courant qui se réclame du socialisme et qui dit il faut s'appuyer sur le but est la démocratisation de la société russe, et pour ça on s'appuie sur la majorité de la population, la paysannerie. Et ils oscillent, si vous voulez, entre des périodes dans les années 60, 70, 80. Bon, au début, grosso modo, pareil, je schématise beaucoup, mais c'est on va au peuple, on va à la paysannerie, on va au village pour faire pour prêcher la bonne parole, on va vivre comme les paysans et essayer de leur diffuser, prêcher la bonne parole, la nécessité de renverser le tsar.
C'est un échec complet. Ils se font même la plupart du temps balancer à la police par les paysans eux-mêmes. Et donc, ils switchent et ils passent à une phase terroriste. C'est-à-dire où le but, c'est de s'en prendre par des attentats individuels, d'assassiner le tsar. Ils y arrivent. 1880, ils arrivent à dégommer le tsar en ayant construit au préalable une organisation très conspirative, très centralisée. Et si vous voulez, le marxisme russe, il naît en se séparant de ça, même clairement les premiers, tout premiers marxistes russes, Plekhanov, Vera Zasulich, au début sont des populistes. Et ils disent, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, on a eu beau assassiner un tsar, ça n'a rien... Le résultat, ça a plutôt été un accroissement de la répression, bon, qu'autre chose. Ça n'a pas été une étincelle qui a mis le feu aux poudres. Donc, le marxisme russe, en disant la révolution russe, elle vaincra non pas en tant que révolution paysanne, mais ouvrière. C'est la classe ouvrière qui dirigera la révolution russe. Ça, c'est Plekhanov qui le dit, mais à un moment où la classe ouvrière s'est même pas encore vraiment manifestée, si vous voulez. C'est un peu Plekhanov, le fondateur du marxisme russe, c'est un peu le prophète dans le désert. Pendant 10 ans, il dit ça en gros au début des années 1880, pendant 10 ans, il se passe presque rien, en tout cas de visible à l'échelon national. Et c'est en se séparant du populisme que le marxisme russe naît, mais il hérite aussi la tradition, et quelque part, je dis direct, que faire. Donc la couverture d'origine, c'était ça. Le titre « Que faire », vous êtes sûrement nombreux à le savoir, c'est la reprise d'un titre d'un roman de Tchernychevski qui était un populiste, bon, et qui décrivait une génération précédente de militants qui, tout entier, si vous voulez, c'est une tradition qui est quand même héroïque. C'est-à-dire, c'était des jeunes qui coupaient les ponts, qui venaient très souvent, la plupart du temps, de milieux privilégiés, mais qui coupaient les ponts et qui consacraient toute leur vie, qui savaient qu'ils allaient terminer en prison, qui étaient prêts à donner leur vie pour essayer d'abattre la dictature détestée, quoi. Et donc, si vous voulez, bien sûr que les marxistes se séparent et polémiquent durement avec les populistes, mais quelque part, intituler la brochure qui explique quelle partie tu vas construire, que faire, c'est un big up explicite à la tradition, et on y reviendra, c'est pas juste un coup de chapeau. Il y a pas mal de choses qui sont héritées par le marxisme russe, des traditions conspiratives, d'organisations clandestines, centralisées, et dans un rapport d'affrontement avec l'État, y compris direct. Bon. Et si vous voulez, ce qui est important, c'est de comprendre que même si au départ, les premiers marxistes russes sont des prophètes dans le désert, il y a un bouillonnement, à la fin du 19e siècle, il y a un bouillonnement dans la classe ouvrière. Et un bouillonnement qui, au début, est peu visible. Mais si vous voulez, il y a énormément de travailleurs qui ont soif d'idées révolutionnaires et qui se mettent à lire des bouquins et qui se mettent en relation. Vous avez le premier phénomène d'étudiants, d'intellectuels qui se tournent aussi vers les travailleurs, bon, et qui lisent ensemble des livres. C'est ça les tout débuts. Et qui lisent un peu n'importe quoi, par exemple, un truc très, très éclectique. Bon, mais il y a une politisation propre de la classe ouvrière. Et ça devient visible, et ça, il y a une éruption, il y a une explosion de ça. Il y a deux temps, si vous voulez. Que faire est écrit au moment d'une espèce de deuxième explosion. La première explosion, c'est ce que Lénine a appelé la guerre industrielle de Saint-Pétersbourg. C'est-à-dire qu'en 1896, vous avez une grève qui éclate de manière très organisée. 16 000 grévistes dans une vingtaine d'usines qui comptent 30 000 salariés pour la réduction du temps de travail. Je simplifie, mais en gros, c'est pour la réduction du temps de travail. En moyenne, c'est 12h30 de travail. Ils demandent 10h30. Et avec un temps de retard, c'est un an après, cette grève, qui est une des plus grosses grèves de salariés dans le monde, en fait, à ce moment-là. C'est-à-dire que la Russie passe du statut de là où il ne se passe rien, où il n'y a pas de mouvement ouvrier, à les plus grosses grèves du monde, quasiment. C'est un retentissement, en tout cas, dans le pays. Ça oblige le régime à faire une loi de réduction à 11h30. Ce n'est pas l'objectif affiché, mais il y a une réduction du temps de travail. Pour la première fois, la classe ouvrière fait une apparition sur la scène politique nationale. On est là et on oblige l'adversaire à changer ses plans et à prendre en compte un rapport de force. Et ce qui est notable, c'est que les sociodémocrates interviennent. Quand je dis sociodémocrates, peut-être que tout le monde ici est au courant, mais c'est les marxistes russes, si vous voulez, les révolutionnaires russes.
qui ont une intervention, peut-être pas dirigeante, mais en tout cas une intervention remarquée, je dirais. Bon. Et ça, c'est la première explosion. Il y a un mouvement gréviste qui s'étend sur plusieurs mois, qui baisse, et après, la lutte repart au début des années 1900, d'abord par des manifestations étudiantes, fortement réprimées, mais qui sont très rapidement rejointes par des travailleurs. Et vous avez des manifestations avec affrontements avec la police, des affrontements très durs. Et si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que quand tu prends les chiffres de la police politique tsariste elle-même sur l'origine sociale des condamnés pour crimes politiques d'État, année 1884-90, les nobles représentent 30,6% des condamnés pour crimes politiques d'État, les paysans 7,1%, les ouvriers 15,1%, les intellectuels 73,2%. Donc on voit bien, c'est les intellectuels et les nobles, bon, c'est la classification de la police, hein, mais on voit bien. 1900 et 1903, les nobles représentent plus que 10%, les paysans 9%, les ouvriers 46%, les intellectuels 36%, 1905-1908, c'est bon, 9,1%, 24,2%, 47,4%. Si vous voulez, les travailleurs, alors qu'ils sont une minorité de la population, deviennent quasiment c'est pas simplement, ils apparaissent c'est pas un acteur parmi d'autres, hop, on fait une grève et on oblige, et puis ça devient, dans la bagarre directe contre le régime, ceux qui occupent la place centrale. Et que faire, si vous voulez, les manifs étudiants, c'est 1901-1903. Et que faire est rédigé en 1902. Donc c'est important de comprendre ce moment-là. Bon, pour en revenir à nos camarades, les marxistes russes, les sociodémocrates russes, dans cette espèce d'ambiance où, au départ, la jeunesse révoltée, et c'est vraiment c'est des générations et des générations militantes pendant des dizaines d'années, et au départ, une situation qui paraît bloquée, où le régime paraît invincible, si vous voulez, il y a un tournant à la fin des années... à partir de 1891-92, il y a une famine qui discrédite... Enfin, il y a 2 millions de morts, je ne rentre pas dans les détails, mais les jeunes, si vous voulez, les idées marxistes deviennent à la mode. Il y a les toutes premières... il y a un courant, on va dire, qui se développe à ce moment-là, qui s'appelle le marxisme légal. Le régime autorise la publication de livres marxistes qui disent que le capitalisme peut et est en train de se développer en Russie. Donc, en gros, contrairement à ce que disaient les populistes, je simplifie un peu. Et ça, le tsarisme fait le calcul de dire on va favoriser les marxistes parce que ça va défoncer les populistes, quoi, tu vois. Et donc, ils mettent en circulation pendant quelques mois, quelques années, des bouquins marxistes. Et ça coïncide avec le début de l'arrivée de la classe ouvrière sur scène. Vous voyez, c'est un peu avant. Et donc, on a un phénomène d'une partie de cette jeunesse, de l'intelligentsia, qui va vers les travailleurs, qui se tourne non plus vers la paysannerie, mais vers les travailleurs. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Que font les premiers sociodémocrates russes qui sont des jeunes qui plaquent tout pour militer? Et qui militent, c'est des pionniers, quoi. Et ils n'ont pas d'organisation derrière eux, ils n'ont rien. Bon. Qu'est-ce qu'ils font? En gros, il y a deux phases avant que faire. La première phase, c'est celle qu'on a appelée la phase des cercles. Et c'était une pratique qui existait même un peu indépendamment d'eux et qu'ils ont un peu investi. C'était, il y avait souvent des femmes, des militantes, qui donnaient des cours du soir. Et t'avais des travailleurs, ils allaient à l'école du soir pour apprendre à lire, écrire, se cultiver, etc. Ils repéraient qui étaient ceux qui avaient l'air les plus révoltés, les plus réceptifs aux idées révolutionnaires, et ils leur proposaient de manière clandestine une réunion dans les bois. C'est-à-dire dans un endroit totalement clandestin. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un bouquin de Engels ou de Marx, et ils le coupaient en chapitres et ils le lisaient. Rendez-vous la semaine prochaine, et on lisait des bouquins, des cercles. Alors, le grand avantage de cette... en gros, ça, c'est le début des années 1890. Le grand avantage de ça, c'est que ça a permis une première connexion et un premier lien entre ces jeunes révoltés, révolutionnaires, qui... en chopant les bribes de marxisme qu'ils ont pu, parce que c'est très difficile à l'époque même de trouver des bouquins, des textes. Hein. Nous, on est habitués, tu vas à une librairie, à l'époque, c'était très difficile de trouver des mots imprimés qui expliquaient que la classe ouvrière jouait le rôle central. Bref, l'inconvénient, c'est que si vous voulez, les travailleurs qui sont les plus susceptibles, qui participent à ces cercles, ont une tendance à voir le fait de se cultiver comme une manière de s'élever au-dessus de leurs collègues. Et d'échapper à leurs conditions, quelque part.
pas tous, mais c'est une tendance qui existe. Par exemple, Lénine est assez décontenancé. Il arrive dans la capitale en 1893. Et en 94, il fait ses premiers cercles, etc. Et puis, il se rend compte, il y a une grève qui se déclenche dans une usine. Et il se rend compte, après coup, qu'il y a des workers de son cercle qui étaient de cette usine-là, qui ne l'ont même pas tenu au courant. Et quand il dit, alors, il y a une grève dans votre tôle. Et ils disent, ouais, mais tu comprends, c'est pour des motifs dérisoires, et c'est pas la vraie politique, etc. Et donc, si vous voulez, en voyant ça, il passe un peu à une deuxième méthode, qui s'appelle la période de l'agitation. Il y a une brochure qui est connue, qui n'est pas si connue que ça, en fait, qui est très peu lue en France, qui n'a même pas été traduite en français, en fait, qui s'appelle « De l'agitation », qui a été rédigée par quelqu'un qui allait devenir dirigeant du Bund, bon, on en parlera si on a le temps après, et par Martov, qui dit « Maintenant, ce qu'il faut, on s'est gouré, on s'est planté, les cercles, non ». C'est n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Il dit, c'est pas la bonne méthode. Ce qu'il faut, c'est l'agitation. C'est faire des tracts d'usine, en partant des besoins immédiats des ouvriers. Là, ils me disent des petites questions mesquines. Bon, et c'est en luttant autour des questions qui les touchent immédiatement, qu'ils vont se confronter avec le régime et qui vont, dans un deuxième temps, se politiser et devenir convaincus de la nécessité de renverser le régime et construire le socialisme. Et vraiment, il y a un raisonnement par étape, si vous voulez. C'est ça qui est important dans cette période de l'agitation. Tout ça permet, là encore, d'un certain point de vue, d'approfondir le lien des sociodémocrates, des révolutionnaires russes avec les travailleurs. Ils sont en contact avec... C'est comme des poissons dans l'eau, si vous voulez. Ils sont super contents. Ils kiffent 96-97, poissons dans l'eau, c'est génial. Mais, le problème, c'est que ça ne les prémunise pas des arrestations. Chaque fois qu'il lance une orga, en moyenne à l'époque, un comité, les comités révolutionnaires, duraient 3 mois. Au bout de 3 mois, tout le monde se faisait arrêter. Et quand tu avais de la chance, il y en avait un nouveau, ceux qui ne s'étaient pas fait arrêter. Quand tout le monde ne s'était pas fait arrêter, on essayait de relancer à partir de zéro, ou de sans les camarades arrêtés, de relancer le comité. Tu vois. Et c'était sans cesse. Et en s'immergeant dans les grèves, dans les luttes, dans les bagarres, ils n'arrivaient pas à échapper à ces arrestations. Parce qu'ils n'avaient pas, si vous voulez, que ce soit les cercles ou l'agitation, c'est des réponses décentralisées. Chacun de son côté. En face, c'est une machine centralisée, super organisée, et il te prend, il te cueille un par un. Et tous, ils se faisaient arrêter. Et quelque part, que faire ? L'ISKRA, en réalité, l'ISKRA, c'est-à-dire le journal, un journal... C'est de ça dont on va vous parler, en fait. Que faire ? C'est l'explication du projet de l'ISKRA, l'étincelle. Donc un journal un peu mythique qui existe entre 1901 et 1903, pour simplifier, qui est une réponse à cette faiblesse du mouvement révolutionnaire russe, qui à la fois prête le flanc aux arrestations, et qui, en se plongeant totalement, chacun, en gros, chacun dans sa boîte, chacun dans sa grève, ne se préoccupe pas de construire un parti centralisé qui permet de faire face à l'adversaire et qui, quelque part, mais ça, ce sera Mathis qui développera, perd de vue l'objectif de renversement du tsarisme et du capitalisme. Mais je ne développe pas. Qu'est-ce qui donne un rôle un peu particulier à Lénine ? Lénine, c'est quoi son profil ? De certains points de vue, il est complètement dans le moule de sa génération. Il a 20 ans en 1890. Il commence à militer vraiment au moment où il y a cette fameuse famine et où, dans la montée qui mène à cette fameuse vague de grève de 1896-97, il arrive dans la capitale en 93. Il devient marxiste en 93. C'est-à-dire plus tard, quand on lui a fait remplir un questionnaire en 1921, je crois, ou 22, il dit « Je suis devenu marxiste en 1893 ». C'est le moment où il arrive à Saint-Pétersbourg. Il lance sa première organisation, son comité, en début 1895. L'Union de lutte pour l'émancipation de la classe ouvrière de Saint-Pétersbourg. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, donc, quelque part, et comme tout le monde, il se fait arrêter. Alors lui, il tient un peu plus que 3 mois, il tient 9 mois. Bon, mais je reviendrai là-dessus. Qu'est-ce qui le met un peu à part ? Plusieurs choses. Un, vous connaissez peut-être cette histoire, son frère Alexandre, son grand frère, se fait pendre. Pourquoi ? Parce qu'il a participé à la deuxième tentative d'assassinat du tsar.
Et la famille, c'est un choc pour la famille. Le père est déjà mort, mais pour la mère, son petit frère et ses sœurs, ils ne savaient pas. C'est totalement clandestin. Imagine, toc, 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 on a arrêté votre fils. Il passe en tribunal pour haute trahison et il fait face à la peine de mort. Il refuse d'être gracié. C'est-à-dire qu'il avait la possibilité de... Il n'était pas sûr d'être gracié, mais il pouvait demander. Il dit non, je ne demande pas la grâce. Il faut assumer. Et en 87, oui, c'est ça, en 87, ton grand frère se fait pendre pour tentative d'assassinat du tsar. Mais il ne devient marxiste qu'en 93. Ça fait beaucoup de temps. Et ça, c'est une autre caractéristique. Donc, vous avez cette espèce de lien intime avec la tradition populiste. Toute sa vie, il maintient des liens avec les militants populistes. Y compris, il insiste là-dessus, c'est super important de connaître les techniques de la clandestinité. Parce que tu survis pas à 3 mois, c'est le cas de le dire, si t'es pas capable d'être, d'échapper à la main de fer de la répression. Donc il apprend de ça, mais il voit aussi que ça marche pas, et il met très longtemps, il lit énormément. Lénine est un rat de bibliothèque. Et il met 6 ans à s'affirmer marxiste. C'est quand même un point important à souligner. Avant-dernière caractéristique qui le met un petit peu à part, il est internationaliste, pas juste dans les mots, mais dans la pratique. C'est-à-dire son orga, il la fonde en début 1895, il est arrêté en décembre 1895, avant même d'avoir pu sortir le premier numéro de leur journal. C'est-à-dire que le numéro du journal était imprimé, paf, ils se font tous arrêter, et le numéro est saisi, il n'est jamais distribué. La haine. Mais sur ces 9, à peu près 8 ou 9 mois d'activité, je crois qu'il passe 3 ou 4 mois, je n'ai pas retrouvé les dates précises, mais plusieurs mois en Europe pour aller rencontrer les militants, les dirigeants de la social-démocratie en Angleterre, en France, en Allemagne. C'est quand même particulier. C'est-à-dire tu commences à militer, une grande partie de ton activité, elle est établir des liens au niveau international, etc. etc. Et peut-être que c'est peut-être quelque chose d'absolument décisif, c'est son lien entre la théorie et la pratique. Krupskaya, qui est devenue après la compagne de Lénine, mais qui était une militante d'une importance primordiale, on en parlera un peu après, elle raconte, elle disait, Ilitch, il faisait pas pareil que tout le monde, il faisait, par exemple, au moment des l'époque des cercles, il divisait la discussion en deux. Première partie de la discussion, on discutait du chapitre du Capital, le stage de lecture, quoi, tu vois, mode stage de lecture, tac, tac, alors... Ouais. Deuxième partie du cours, enfin, de la séance de discussion, c'était question sur comment ça se passe dans ta boîte. Il y avait le lien théorie, pratique. Bon, je développe pas beaucoup plus là-dessus. Mais on pourrait, justement... C'est très intéressant de lire les tracts ou les questionnaires. Par exemple, il a fait un questionnaire à l'époque. Questionnaire ouvré de supro-enquête. Et il pose, 37 ou 42, je sais plus, questions sur, limite, qu'est-ce que les travailleurs mangent. Très, très, très précis. C'est-à-dire que pour pouvoir intervenir, il fallait connaître très, très, très précisément. Il fallait avoir lu le livre. Un des tout premiers trucs qu'il écrit s'appelle « Sur la question des marchés ». Krupskaya en part en disant « ça nous avait beaucoup impressionné ». Et tu vois qu'il a lu le livre 2 du Capital. Et il est capable d'expliquer que le marché intérieur de la Russie se développe et que c'est une base de développement du capitalisme, pas simplement en lien avec l'étranger. Et le gars a lu le livre 2 du Capital. Personne, même aujourd'hui, personne n'a lu le livre 2 du Capital. Perso, je me suis cassé les dents dessus de ouf, j'ai pas encore réussi à le lire. Il fait ça, mais il te fait un questionnaire de malade, il fait une brochure sur la question des amendes. Bon, tu pourras peut-être en reparler. Voilà. Mais Lénine a beau être, dès le début, il est trop fort, il est génial, trop fort, super, mais il se fait arrêter comme les autres. Tu peux être tout seul, tu peux être brillant. Si tu es tout seul, tu te fais cueillir comme les autres. Et donc, pendant les 4 ans qui passent, 2 ans de tôle, 2 ans d'exil, il a le temps de réfléchir, le gaillard. Et donc, je simplifie un petit peu, parce qu'en réalité, l'idée n'est venue que petit à petit et même sur le tard. Mais ils finissent, lui et ses potes, par dire on va se lier avec l'ancienne génération, Plekhanov, et ses potes, et Vera Zasulich. Vera Zasulich, ça vaudrait le coup qu'on fasse un topo rien que sur elle. Elle commence terroriste comme les autres, par exemple. Elle tente d'assassiner, elle tire sur le préfet, sur un préfet, je crois, pour dénoncer les sévices subis par les prisonniers politiques. Elle est évidemment passée en procès. Elle est tellement éloquente dans son procès qu'elle obtient l'acquittement. Les flics essaient de la réarrêter juste à sa sortie du tribunal. La foule la sauve et elle se barre en exil. Tu vois, les premiers marxistes russes, c'était pas juste des parleurs, des parleuses. Bref, Lénine, Martov,
et un autre gars qui s'appelle Potresov, peu importe, les jeunes se mettent en cheville avec les yeux, avec Plekhanov. Ils disent, on va faire quoi? On va faire un journal. L'Iskra. Donc, ça avait cette gueule-là. C'est 8 pages, 15 os. D'ailleurs, c'est très marrant, parce que quand tu lis Que faire, à un moment, il dit un truc du genre, franchement, les autres, les économistes sont pas sérieux, enfin, les réformistes sont pas sérieux, ils ont une publication régulière, même pas tous les mois. Nous, on est 15 os, ça va, faudrait passer hebdo. Tu vois, c'est un peu... C'est presque les questions qu'on se pose. Bon, ça, c'est, tu vois, c'est assez drôle. Donc, c'est un 15 os, 8 pages. Et ce qui est très intéressant avec l'Iskra, c'est que c'est, si vous voulez, c'est conçu comme un journal. La ligne directrice, c'est la nécessité de l'insurrection contre, contre l'autocratie, contre le tsar. Voilà. L'édito, en gros, c'est ça. Bon. Vous avez des comptes rendus de bagarre. Ce n'est pas juste des idées, c'est des comptes rendus de bagarre. Très, très important, c'est très vivant, ça. Et de la polémique. C'est-à-dire, il donne y compris la parole aux différents points de vue. Bon. C'est un journal très vivant. Bon. Mais, si vous voulez, pour comprendre l'Iskra, très souvent, on résume l'Iskra à eux, le sommet de l'iceberg, le comité, le fameux comité de rédaction de l'Iskra. Ils sont 6 plus Krupskaya, qui ne fait pas formellement... partie du comité de rédaction, mais bref, ils sont donc en exil. D'accord ? Évidemment en exil, parce que même si une fois que tu as fini ta période d'exil interne, quand tu reviens, quand tu as fini ta peine de prison, tu es pisté par les flics, tu ne peux pas faire un pas sans être pisté. Donc l'idée, pour pouvoir intervenir en Russie, il faut aller à l'étranger. Et ils lancent ce journal. Donc, bien sûr, c'est des articles. Bien sûr, c'est des papiers inscrits. Mais ce qui est moins connu, ce à quoi on porte souvent moins d'attention, c'est comment la revue est arrivée sur place. Une fois que tu l'as imprimée. Déjà, ce qui est absolument impressionnant, c'est un peu la deuxième partie de ce que je vais vous dire, et après je laisserai la parole à Mathis, c'est qu'est-ce que c'était comme dispositif militant, l'Iskra. Bon, parce que pour comprendre les arguments qu'il y a tant que faire, il faut comprendre sur quelle réalité militante ça s'appuie, ça s'assoit. L'Iskra, déjà, fallait pouvoir l'imprimer. Premier endroit où ils vont, moi j'étais pas du tout au courant de ça, ils vont en Allemagne, si vous regardez, c'est, au début c'était Leipzig, et après c'était à Stuttgart. Bon, c'est imprimé à l'étranger, tu ne pouvais pas imprimer sur place, c'est illégal. Bon. Donc, l'Iskra n'aurait jamais pu voir le jour sans la social-démocratie allemande. Et pourquoi ? Ils se sont tournés vers la social-démocratie allemande, non seulement parce que c'était le parti de très très loin, le mieux organisé, le plus puissant. Par ailleurs, à l'époque, ils avaient une frontière commune hein, avec la Russie. Ouais, c'est important pour pouvoir faire rentrer le journal. Mais comment ? Surtout, la social-démocratie allemande venait de sortir d'une période de quasi-clandestinité. Ils avaient été interdits entre 1878 et 1890. Et ils avaient mis en place... J'ai rigolé quand j'ai vu ça, je ne sais pas du tout. La Poste Rouge. Et moi, un camarade de la Poste, justement, Seb, qui m'a parlé de ça, la Poste Rouge. Vous savez ce que c'était la Poste Rouge ? C'était quand les sociodémocrates allemands se sont fait interdire, ils ont dit, OK, bah on va en Suisse, on a écrit un journal, et on met un point d'honneur à livrer le journal à tous les abonnés, tous les numéros, au nez à la barbe de la police. On met en place notre propre poste. C'est-à-dire un réseau de diffusion, de transport clandestin qui livrait au nez à la barbe de l'État prussien le journal. Bon, c'est quand même... Et quelque part, l'Iskra, c'est la Poste Rouge russe, ou Amazon Rouge, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est... Fallait faire rentrer le truc. Et comment ils faisaient ? Ils étaient obligés, ils faisaient avec les moyens du bord. Les moyens du bord, c'était quoi ? C'était... En gros, ils avaient 10 voies d'acheminement, pas simultanées, mais ils avaient une voie d'acheminement par Vienne, Tabriz en Iran et Bakou, dans le Caucase. Une autre par Marseille et Batoum. Une autre par Varda en Norvège et Arkhangelsk. Une autre par la Suède, la Finlande. Une autre par la Galicie orientale et l'Ukraine. Une autre par la Bulgarie. Une autre par l'Égypte puis l'Allemagne. Une autre par l'Angleterre et l'Italie. Une par la Roumanie. Une par la Prusse orientale, directement à travers la frontière. En gros, c'est une douzaine d'États, une quinzaine de pays. L'Iskra est une internationale, en germe, mais ils avaient des groupes de soutien en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne,
en Allemagne. Et si vous voulez, en Allemagne, par exemple, c'est des militants très en vue, très connus, qui les ont aidés. Par exemple, les adresses. Il fallait des militants. Vu que toi, en tant que militant russe clandestin, tu ne pouvais pas recevoir... soit tu ne pouvais pas envoyer, évidemment, du courrier directement en Russie, mais tu ne pouvais pas non plus recevoir les correspondances, les rapports sur les rapports d'activité, ce qui avait été fait par les militants. Tu avais besoin de prête-nom, d'adresse, de militants qui recevaient le matos, soit qui l'envoyaient, par qui ça acheminait. Et beaucoup d'adresses ont été données par Clara Zetkin. Ils ont été aidés par Karli Pnecht. Et ils ont été surtout aidés par plein de militants de base. Sans qui, ils n'auraient jamais pu faire tout ça. Et c'était, venez nous voir, ils sont venus les voir, vous avez fait la poste rouge, montrez-nous comment faire. Et l'impression s'est faite dans un premier temps en Allemagne. Donc si vous voulez, on ne peut pas comprendre les arguments de Que faire. Donc Que faire, qui est une brochure, qui est une espèce d'explication, de récapitulatif, de la démarche de l'ISCRA. Bon, je vous lis juste un passage. En gros, l'idée, c'était, il y a une expression dans Que faire, elle dit, le journal est un organisateur collectif. Très, très bizarre pour nous, un journal, c'est, bah, tu diffuses des idées. Non, bien sûr, mais c'est un organisateur collectif. Un organisateur de quoi? Alors, il dit que ça permet une division du travail et une économie des forces. Voilà. Et ça permet de donner une valeur d'exemple en diffusant, quand il y a quelque chose de bien qui est fait quelque part, de le diffuser ailleurs. Mais il dit, organisateur de quoi? Un réseau d'agents qui se serait formé de lui-même en travaillant à la création et à la diffusion d'un journal commun ne devrait pas attendre les bras croisés le mot d'ordre de l'insurrection. Il accomplirait justement une œuvre régulière qui lui garantirait en cas d'insurrection le plus de chances de succès. Bon, c'est un peu long, mais en gros, l'idée, c'est le journal, ça sert à mettre en place l'infrastructure de l'insurrection. Voilà, c'est quelque chose. Mais quand tu regardes la partie émergée de l'iceberg, ils ont 9 permanents au tout début. Début 1900, ils sont 9 permanents. Quand je dis permanents, même pas forcément payés. La plupart avaient presque rien comme thune, mais en gros, il fallait trouver de l'argent. Et ils avaient des agents qui organisaient l'acheminement et qui allaient aussi faire le tour des comités qui étaient totalement dispersés, chacun dans leur truc, chacun dans sa grève, dans son truc totalement local, pour le convaincre de dire, écoute, maintenant, ce qu'il faut, c'est créer une organisation centralisée dont l'obsession, c'est l'insurrection. Et de gagner à leur vue les comités à cette perspective-là. Pas juste en disant, tiens, voilà la vérité, mais en disant, on a un journal, parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, les militants, ils diffusaient tout ce qui tombait sous la main. Et justement, l'ISCRA, ce qui les marquait aussi, c'était le professionnalisme de, pas juste militant professionnel, oui, mais le professionnalisme, strictement, c'est-à-dire, pac, tous les 15 jours, t'avais le canard qui permettait d'intervenir. Et bah voilà, et du coup, tu contaminais avec des idées aussi ceux qui t'apportaient l'instrument. Vous voyez ce que je veux dire? Tu as une crédibilité et tu convaincs. Le rôle de Krupskaya, parce que très souvent, évidemment, on parle du comité de rédaction, tous des gadjots. Krupskaya, en fait, c'est la première secrétaire et la première trésorière du parti bolchevique, en fait, même si elle n'avait pas le titre. Alors, je vous cite Trotsky qui dit: elle était au centre de tout le travail d'organisation, recevait les camarades venus de loin, instruisait et accompagnait les partants, fixait les moyens de communication, les lieux de rendez-vous, écrivait les lettres, les chiffrait et les déchiffrait. Parce que les lettres, c'était écrit avec du lait, en gros de l'encre sympathique, quoi. Il fallait chiffrer, déchiffrer avec des codes. Dans sa chambre, il y avait presque toujours une odeur de papier brûlé venant des lettres secrètes qu'elle chauffait au-dessus du poêle pour les lire, et fréquemment elle se plaignait avec sa douce insistance de ne pas recevoir assez de lettres ou de ce qu'on s'était trompé de chiffres, de ce qu'on avait écrit à l'encre sympathique d'une telle façon qu'une ligne, pardon, grimpée sur l'autre, etc., etc. C'était elle aussi qui tenait tous les comptes. Et en gros, si vous voulez, ceux qui faisaient passer l'ISCRA, ils avaient soit des gilets. Dans un gilet, ils disaient, tu pouvais mettre 150 ISCRA. Ou des corsages pour les nanas. Les nanas, c'était mieux parce que tu pouvais en mettre 300, 400. Et les valises à double fond, c'était ça en gros. Les habits et les valises à double fond. Et ça coûtait énormément d'argent, évidemment, parce qu'il fallait aussi des faux papiers. Et ce qui est marquant, pour comprendre ce que représente... Je vais bientôt conclure et passer la parole à Mathis. Et pour comprendre les implications militantes de ça. En gros, écrire un article, c'est l'étape 0,1. Elle est essentielle, fondamentale. Si ton article est de la merde, tu ne sers à rien, évidemment. Mais il faut l'acheminer, il faut convaincre et organiser. Et ça, ça veut dire énormément d'étapes. Donc il y a 9 permanents de l'ISCRA, 30 à la fin. Mais chaque agent
a autour de lui énormément de militants qui l'aident, qui diffusent. C'est des centaines et des centaines de personnes en réalité, au final, qui finissent en un peu moins de 3 ans par être organisées autour de cet organisateur collectif, justement, comme il le dit. Et pour vous donner une idée, je vais vous parler de 2 militants. Un gars qui s'appelle Krasin et un autre qui s'appelle Camo. Krasin, si vous voulez, c'est celui qui, un peu plus tard, en 1905, va être un des 3 membres du comité central des bolcheviks. Bon. Krasin, son rôle, lui, par rapport à l'ISKRA, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place une des 3 imprimeries internes. L'ISKRA a un tel succès qu'il n'y a pas assez de Krupskaya, estimé à 90% le taux de perte. D'envoyer 8 000, il y avait, le tirage était 8 000 en moyenne. Il y en avait 800 qui arrivaient à bon port, mais chacun était lu par beaucoup, beaucoup de monde. Mais en fait, ça ne suffisait pas. Et du coup, ils ont mis en place 3 imprimeries, début 1902 à peu près, au moment de que faire. Des imprimeries, évidemment, strictement souterraines, underground, clandestines et souterraines. Et j'ai retrouvé un peu, grâce toujours à mon pote Seb, dommage qu'il ne soit pas là, une brochure en français qu'on peut trouver qui raconte comment ont été mises en place et le règlement, comment on bossait. Tu as une imprimerie, elle est à Bakou, dans le Caucase. 2 semaines, tu sors pas. 10 heures, tu sors pas. Tu as 3 heures de sortie toutes les 2 semaines, entre 21h et minuit. Donc je pense qu'ils allaient en boîte, ils faisaient la fête, enfin voilà, ils profitaient, mais hop, c'était ta ta ta. Et t'en as, ils ont fait 2 ans comme ça. 2 ans comme ça, ta ta ta, pour imprimer sur place. Krasin, qui est celui qui a mis en place cette imprimerie, c'est lui qui a après fabriqué les bombes et organisé des braquages pendant la révolution de 1905, pas longtemps après. Braquage, le plus gros braquage, un peu le braquage du siècle de l'époque, qui a eu en 1907. Je pourrais raconter les détails après si vous voulez, mais un braquage de ouf, vraiment de ouf. 350 000 roubles. Ils ont réussi le braquage, il y a eu beaucoup de morts. Ils ont réussi le braquage, 350 000 roubles. Le problème, c'est que c'était des coupures de 500. Et donc, pour les changer, c'était dur. Et donc, ils ont essayé de les changer en même temps dans 4 pays, ils se sont tous fait arrêter. Et donc, Camo, qui avait fait le braquage, dans des conditions, je vous jure, Hollywood peut aller se rhabiller. Ceux qui veulent après, je raconterai le braquage. Mais. Il se fait serrer, donc en 1907 ou 8, je ne sais plus. Pendant 3 ans, il simule la folie. Il se fait péter des dents, nu, dans une cellule à moins 10 degrés. Genre. Il simule la folie et il s'évade 2 fois. Il est condamné après 4 fois à mort et il en réchappe à la dernière minute. Voilà. Si vous voulez, pourquoi je parle de ça? C'est pas juste pour l'héroïsme du truc, parce que, évidemment, à l'époque, tout le monde était clandestin. Et l'héroïsme, c'était partagé par tout le monde, y compris par ceux qui, après, allaient devenir réformistes. Être clandestin, être héroïque, ça ne veut pas forcément dire automatiquement être révolutionnaire. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, on va dire. Voilà le décor. Et je passe la parole à Mathis. Ouais, donc effectivement, vous avez le décor. Ce qui est un peu intéressant, là, quand on lit Que faire 100 ans après, c'est que. On peut entendre chez certains militants d'extrême droite, conservateurs ou même d'extrême gauche que Lénine, bon, c'était un peu Staline en germe. Vous savez, c'est l'hypercentralisation, c'est le parti au-dessus de la classe ouvrière, les révolutionnaires professionnels, etc., etc., etc. On peut retrouver quand même des gens dire que cette conception du parti de Lénine, le parti léniniste, se retrouve presque entièrement contenu dans Que faire et que voilà, Que faire, ça prouve que bon, bah, Lénine, c'était quand même un peu un dictateur en puissance. Bon, peut-être qu'il ne voulait pas l'être, mais en tout cas, il l'est devenu. Autant le dire tout de suite, on va essayer un peu de le remettre en cause d'une certaine manière, parce que déjà, en le replaçant dans ce contexte, Xavier l'a un peu fait, en fait, Que faire, c'est non seulement l'ébauche d'un parti à un moment en Russie, c'est-à-dire, voilà, on a des cercles locaux qui se font arrêter partout. Comment mettre en place une structure centralisée? Comment défendre un certain nombre d'idées? Et bon, voilà, on vient de voir comment ça a pu être utile. Mais c'est aussi une polémique avec un courant de la social-démocratie russe, courant qui, au moment où le bouquin sort et où il arrive vraiment dans les mains des militants, a un peu disparu, qui est le courant des économistes. Alors, on va essayer de voir, parce que derrière la polémique avec les économistes, y compris si Lénine
prend le temps, et il fait beaucoup d'articles contre les économistes, mais y compris d'écrire toute une brochure, qui lie le sort du journal, donc de l'organisation, à la polémique avec ce courant en particulier de la social-démocratie russe, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'un peu important qui se cache derrière. Donc déjà, on va essayer de voir qu'est-ce que ces économistes. Alors, on l'a dit, il y a eu la période des cercles, il y a eu la période de l'agitation. La période de l'agitation, faut imaginer le changement que ça a pu représenter pour les militants des cercles et pour toute la nouvelle génération qui a émergé. T'es plus seulement dans les bois à lire des livres, mais tu vas distribuer des tracts aux ouvriers. Parfois, il y a des grèves qui éclatent. T'es plongé dedans. T'as l'impression, en fait, de jouer un rôle, de te lier véritablement à la classe ouvrière. Et donc, il y a un peu une frénésie des tracts économiques qui entraîne une petite déviation. Krupskaya, elle dit, par exemple, que sur le terrain organisationnel, on devait se donner tout entier à l'organisation. Quant à la propagande, c'est-à-dire la propagation des idées politiques, de l'insurrection, du socialisme, il ne fallait plus y penser. En fait, il commence à se développer l'inverse de ce qu'il y avait dans les cercles, où on parlait que de propagande d'une certaine manière. Ben là, c'est l'inverse, on la remet à plus tard. Et dans la tête de celles et ceux qui participent au cercle ouvrier, qui sont chargés de décrire les tracts et de les diffuser, ou de participer aux grèves, le socialisme, la révolution, t'en parles plus tous les jours de la même manière, c'est pas ça le sujet de tes tracts, c'est remis un peu, ça arrive un peu derrière. Cette transformation, en plus, cette transformation pratique, parce qu'elle n'est pas théorisée, elle entraîne, comme en Allemagne, au même moment, le développement d'un courant théorique qui essaye, d'une certaine manière, de relier la pratique, c'est-à-dire, regardez, on mène une activité économique, tournée uniquement vers les problèmes concrets des travailleurs, mais on parle d'idées politiques du socialisme, peut-être qu'il faut faire correspondre les idées à la pratique et arrêter de mettre en avant perpétuellement les idées révolutionnaires. En Allemagne, celui qui va porter ce débat-là, c'est Bernstein. Si vous avez lu Rosa Luxembourg, Grève de masse, parti et syndicat, c'est lui qui a le combat. Bernstein, lui, justement, c'est ce qu'il dit ça. Il dit, en Allemagne, on mène une activité parlementaire, on mène une activité syndicale, on n'est pas en train de faire des insurrections. Donc, en fait, arrêtons de parler d'insurrection, ça fait peur à tout le monde, ça nous perd. Le marxisme, c'est de faire correspondre la réalité, c'est de faire correspondre les idées à la réalité. Donc, soyons réformistes, d'une certaine manière, même si ça avait évidemment un sens bien différent qu'aujourd'hui. Donc, en Russie aussi, alors c'est pas vraiment des Bernsteiniens, parce que c'est aussi leur histoire réelle, c'est pas juste qu'ils ont lu Bernstein, ils s'y mettent, mais il y a quand même des petites ressemblances, et il y en a qui discutent, qui se traduisent les uns et les autres. Donc, il y a un manifeste qui sort, qui s'appelle le Credo, qui, on va dire, symbolise un peu cette tendance à l'économisme, qui stipule que les socialistes, ils doivent accompagner les ouvriers dans leur lutte économique, parce que c'est ça que les ouvriers font. D'ailleurs, regardez, ils font quoi là ? Une grève sur le terrain économique, pas politique. Les travailleurs, d'abord, ils doivent se battre sur le terrain économique, et puis ça créera les conditions peut-être d'une organisation ouvrière qui peut-être un jour pourra se faire de la politique. Mais voilà, c'est à remettre plus tard. Et ils mettent, qui a un peu un côté étapiste, et ils mettent aussi en avant une deuxième idée qui est de dire les ouvriers, à partir de leur lutte économique, ils vont arriver à une conscience de classe, ils vont arriver à une conscience de tous les problèmes. Donc en fait, les socialistes n'ont pas besoin de faire de la propagande puisque les idées vont naître d'elles-mêmes dans la lutte. Donc pour mener cette orientation, certains économistes, pas tous, y compris, ça change un peu, c'est pas un courant totalement unifié. Il y en a qui vont plus ou moins loin les uns des autres. D'une certaine manière, Lénine et Martov, donc ceux qui font de l'ISKRA, à un moment donné, ils sont un peu économistes, c'est-à-dire qu'ils font principalement de l'agitation. Bon, ils en font quelques mois, ils se font arrêter après, mais vous voyez un petit peu l'idée. Donc il y en a, ceux qui vont le plus loin, mettent en avant qu'il faut abandonner la lutte contre le régime tsariste, parce que critiquer le tsar dans les milieux ouvriers, c'est un bon moyen de ne pas être lu, voire de se faire taper à certains moments. Ça dépend évidemment des périodes, plus ça avance, moins les ouvriers apprécient le tsar. Et parce qu'ils se disent non seulement on sera mieux écouté des ouvriers, mais en plus on échappera davantage à la répression, parce que le gouvernement tsariste,
Il est bien content en fait que les ouvriers ou même des intellectuels se focalisent sur des questions économiques et combattent entre guillemets seulement le capitalisme et les bourgeois plutôt que de s'attaquer aux fondements du régime tsariste. D'ailleurs, la police tsariste, elle va vraiment mettre ça en pratique puisqu'elle va elle-même monter à certains endroits des syndicats. Donc voilà, c'est eux qui vont créer les premiers syndicats légaux d'une certaine manière en Russie. Et ce que ça entraîne, c'est que si nous, sociodémocrates, on abandonne la lutte politique pour le renversement du tsarisme, évidemment, on est sociodémocrates, donc il faut la faire, mais ce ne sera pas à travers la lutte ouvrière qu'on va le faire, ce sera en soutenant la bourgeoisie libérale. Donc il y a, voilà, vous pouvez voir les risques que ça peut poser. Alors, pendant qu'il est déporté, Lénine et ses potes, qu'on va appeler les Iskris, puisque c'est ceux qui voilà, vont faire l'Iskra, ils vont s'opposer théoriquement à la lutte, aux économistes, et que faire contient pas mal d'arguments. Alors, c'est des arguments qui ont pu être publiés avant, qui ont été utilisés, mais bon, ils sont présents dans que faire, donc on va les citer. Principalement, Lénine, il va s'attaquer à l'idée que la lutte économique seule permet de s'élever à la conscience social-démocrate, c'est-à-dire la conscience marxiste-révolutionnaire. Donc il explique par exemple, et on pourrait presque dire qu'il tord le bâton d'une certaine manière, il dit « Les ouvriers ne pouvaient pas encore avoir la conscience social-démocrate, celle-ci ne pouvait leur venir que du dehors. L'histoire de tous les pays atteste que, par ses seules forces, la classe ouvrière ne peut arriver qu'à la conscience trade unioniste, c'est-à-dire à la conviction qu'il faut s'unir en syndicat pour mener la lutte contre le patronat, réclamer au gouvernement telle ou telle loi nécessaire aux ouvriers, évidemment sur le terrain économique. » Alors, aux économistes qui expliquent que l'économie elle guide le politique et que la subordination de la lutte économique à la lutte socialiste ralentit l'émancipation des travailleurs qui ne sont pas prêts et que par leur lutte spontanée, ils vont trouver les moyens de leur émancipation, Lénine y répond que les sociodémocrates, c'est pas sur ce terrain-là qu'ils doivent uniquement se battre, mais aussi sur le terrain politique et théorique, sous peine de laisser la bourgeoisie, en fait, au final, diriger ces luttes-là. Donc, il développe, par exemple, que tout rapetissement de l'idéologie socialiste entraîne un renforcement de l'idéologie bourgeoise. On parle de spontanéité, mais le développement spontané du mouvement ouvrier aboutit justement à le subordonner à l'idéologie bourgeoise. Voilà, pour lui, il dit que la tâche de la social-démocratie, ça doit être de combattre la spontanéité, de détourner, c'est lui qui l'écrit, de détourner le mouvement ouvrier de cette tendance spontanée qu'est le trait du dionysme à se réfugier sous l'aile de la bourgeoisie, et afin de l'attirer chez les marxistes, chez les socialistes révolutionnaires. Alors, c'est là le côté un peu polémique, c'est que là, Lénine il explique, la classe ouvrière, en fait, elle ne peut pas faire la révolution toute seule. Ses idées, si on la laisse à elle-même, ce sera que les idées de la bourgeoisie. Bref, est-ce que la classe ouvrière elle est vraiment capable de faire quelque chose? Et est-ce qu'il ne donne pas un peu trop le beau rôle aux intellectuels dont il est issu, lui et tous ses potes, pour dire quand même, voilà, le parti d'avant-garde, ça va être les intellectuels d'avant-garde. Bon. Non, pas vraiment. D'ailleurs, Lénine, est-ce qu'il pensait vraiment que les ouvriers ne pouvaient pas acquérir une conscience révolutionnaire, entre guillemets, par eux-mêmes? C'est pas vraiment le cas. Il ne remettait pas en cause l'idée que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Et ça, on va pouvoir le vérifier assez rapidement. Déjà, Lénine et les Iskris, ils ont participé à toute la période d'agitation économique. Ils en ont été les fers de lance. C'est pour ça qu'ils se sont fait arrêter en 1895. Donc, d'ailleurs, Lénine, c'était quelqu'un qui était quand même connu. Alors, il y avait les questionnaires que cite Xavier, mais qui allait lire et lire et lire sur la manière dont les lois étaient faites dans le monde ouvrier pour comprendre la politique du patronat, du tsarisme, mais aussi donner des armes aux ouvriers pour dire on peut s'appuyer sur telle loi à tel moment pour mettre en avant telle revendication, même si elle est petite. Les premiers tracts qu'il écrit, ils ne remettent pas du tout en question le tsar, ils remettent juste en question le gouvernement. Et ce n'est pas pour dire qu'il faut la révolution, c'est pour dire qu'il faut forcer le gouvernement à avoir des bonnes lois, d'une certaine manière. Donc vous voyez, ils n'ont pas abandonné le terrain de la lutte économique, c'est pas du tout ça. En réalité, il se plonge dedans, et une des brochures qu'il écrit, c'est justement sur la gestion des amendes, enfin le système des amendes dans les usines en Russie, pour bien comprendre ce qui se passe. En réalité, lorsqu'il dit
les ouvriers ne peuvent pas accéder à une conscience révolutionnaire, il tord le bâton face à ceux qui disent les ouvriers y arriveront forcément à 100% et de manière totalement mécanique par une accumulation graduelle d'expérience. Et bon, Lénine d'ailleurs, c'est un peu un habitué hein, de défendre quelque chose presque un peu trop à l'extrême d'un côté et quelques années plus tard le faire dans l'autre sens. Parce qu'en 1905, alors que ses propres militants, les fameux intellectuels, les fameux praktikistes, c'est-à-dire les militants de terrain, des comités sociodémocrates qui sont rompus à la clandestinité, c'est-à-dire, alors d'ailleurs, quand on dit clandestinité, c'est plus l'art de ne pas se faire attraper, quoi, que véritablement, vous savez, bon. Donc, ces militants-là, eux, ils refusent que des ouvriers participent au comité en 1905, c'est-à-dire pendant la révolution ouvrière, eux, ils disent, il ne faut pas qu'il y ait des ouvriers dans le parti, et c'est Lénine qui va combattre pour dire non, non, les ouvriers doivent rentrer dans le parti. D'ailleurs, les ouvriers deviennent eux-mêmes sociodémocrates, tout seuls, par la révolution elle-même. Donc il va écrire instinctivement, spontanément, la classe ouvrière est social-démocrate, ou encore les conditions même de la vie des ouvriers les rendent aptes à la lutte et les incitent à combattre. En combattant les patrons, les ouvriers deviennent socialistes, arrivent à comprendre la nécessité de réorganiser entièrement toute la société, de supprimer totalement toute misère ou toute oppression. Alors voilà, ça crée 180 degrés, on pourrait dire. C'est évidemment parce qu'il s'est passé quelque chose, outre la lutte polémique du moment, c'est qu'il y a une révolution qui est en train d'avoir lieu. Donc c'est vrai que quand les ouvriers sont en train de prendre des fusils, d'organiser des grèves derrière l'objectif de retirer le tsar, tu peux difficilement dire qu'ils font pas de politique. Alors, en fait, pour les marxistes révolutionnaires que nous sommes, c'est vrai, toute lutte ouvrière porte en elle-même une graine révolutionnaire. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va germer à chaque fois, même quand il y a des Lénines qui sont des très très bons jardiniers pour faire en sorte qu'elle se développe. En réalité, ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Toutes les luttes économiques ou sectorielles, elles ne mènent pas à des luttes politiques. Et ça, on le voit dans la vie de tous les jours, ou de la classe ouvrière dans son entièreté. Mais pour autant, on voit aussi qu'il n'y a pas de muraille de Chine entre les deux. Au Bangladesh, alors c'est pas la classe ouvrière qui s'est soulevée là, mais ils sont partis d'une revendication économique, d'une certaine manière, qui est très vite devenue politique, parce qu'on voit que les deux sont, on voit dans la vie que les deux sont liés. D'une certaine manière, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il suffit, voilà, ce que Lénine veut mettre en avant, c'est qu'il suffit pas d'être un ouvrier et de se battre pour avoir raison et mener la lutte à son terme. Il y a une lutte politique que les révolutionnaires, ils doivent apporter. Y compris derrière la question du parti, il y a un débat entre les sociodémocrates économistes et les autres, c'est que les économistes, ils ont un côté, ils mettent en avant le caractère décentralisé. Après tout, toute lutte est décentralisée, surtout dans les usines à ce moment-là. Ce qui va se passer dans un atelier n'est pas forcément le cas dans un autre, ce qui se passe dans telle usine n'est pas le cas dans un autre. Et de toute manière, vu que toute lutte va amener à la conscience social-démocrate, il suffit qu'on pousse les possibilités locales à leur maximum, et ça va aller. Bref, on a un travail au niveau local à effectuer. Lénine, ce qu'il défend avec le parti centralisé, c'est pas seulement l'idée qu'on échappera davantage à la répression, même si c'est une étape importante, mais c'est aussi l'idée que les luttes de la classe ouvrière, elles amènent à des niveaux de conscience différents en fonction d'où on se trouve, en fonction de l'expérience qu'on fait, en fonction de qui a dirigé la grève. Si jamais tu es un ouvrier de bas coût qui subit en plus une oppression nationale, bah, c'est pas la même chose que si tu es un ouvrier grand russe de Saint-Pétersbourg. C'est pas non plus la même chose quand tu es juif en Pologne. Bon, et ça, toutes ces expériences, la classe ouvrière, elle les assimile pas en même temps. Elles ne les assimilent pas en même temps, elles ont besoin d'être centralisées et rediffusées pour qu'il y ait des leçons qui puissent être apprises et pour que l'entièreté de la classe ouvrière puisse faire des pas en avant parce qu'à tel ou tel endroit, bah, il y en a qui ont fait des expériences et qu'elles sont transmises. Donc, s'en remettre à la conscience spontanée, qu'on pourrait aussi traduire par élémentaire de la classe ouvrière, en réalité, c'est aussi laisser la possibilité à la bourgeoisie d'isoler les militants ouvriers les plus combatifs au sein du reste de la classe ouvrière, parce que si tu t'appuies seulement sur la masse ouvrière sans faire forcément de délimitation, bah, vous pouvez voir les problèmes qui se posent. Donc en fait, la lutte politique consciente d'une avant-garde ouvrière, celle qui apprend de toutes ces expériences et arrive à les synthétiser, bah, elle est nécessaire pour que les ouvriers, conscients de leurs tâches, ils entraînent les autres pans de leur classe.
ces idées-là, elles sont pas, cette position, elle n'est pas du tout originale hein, chez Lénine. Elle est déjà présente hein, avec la, chez la social-démocratie allemande. Le programme d'Erfurt, il dit un peu ça. Il y a cette idée que, enfin, chez le parti social-démocrate allemand, qui est quand même un parti beaucoup plus gros, il y a quand même cette idée que c'est un parti d'avant-garde. C'est un parti qui va s'appuyer sur des ouvriers combatifs et conscients pour entraîner le reste de la classe ouvrière. Kautsky, il a même il dessine même des cercles différents. Alors, il y a tel cercle qui va influencer tel autre, bon. On passe évidemment ces détails. Et Kautsky, bon, voilà, lui aussi, il dit les ouvriers, ils vont, enfin, le parti va mener une politique, il va entraîner la classe ouvrière, qui d'ailleurs elle-même va entraîner d'autres pans de la population. Et là-dedans, la question du rôle des intellectuels, là aussi, elle a déjà été discutée par Marx, mais dans la social-démocratie allemande, il y a cette idée que les intellectuels, bah, ils sont nécessaires à la construction des partis ouvriers, comme on a pu le voir à travers l'histoire. Évidemment, il y a eu des luttes révolutionnaires ouvrières, mais toutes ces luttes n'ont pas donné de doctrine révolutionnaire particulière. Il y avait, et chez les intellectuels, il y a eu plein de courants socialistes qui n'étaient pas forcément marxistes et qui ne s'intéressaient pas forcément à la classe ouvrière. Les premiers, hein, Fourier, Saint-Ouen, Saint-Simon, bon, eux, ils ne se posent pas le problème de la lutte de classe, comment la classe ouvrière pourrait. Ça, ça arrive avec Marx, mais y compris parce qu'il y a eu des luttes ouvrières qui ont permis de montrer qu'elles pouvaient devenir un sujet politique. Donc il y a quand même un lien, d'une certaine manière, la manière dont le formule Kautsky, c'est que le marxisme, la social-démocratie, c'est la fusion entre le mouvement ouvrier d'un côté et le socialisme, c'est-à-dire, en fait, d'une certaine manière, pour lui, les thèses des intellectuels socialistes de l'autre. Le marxisme. Et voilà, il part de ce principe-là et dit, regardez, le mouvement ouvrier, même en allant très loin, comme en Angleterre, bah, il n'est pas devenu révolutionnaire. Bon, voilà, il en est arrivé qu'au syndicat. Bon, il y a eu un parti, mais ce n'était pas un parti socialiste. Enfin, vous voyez le truc. Donc, l'idée de dire, on va séparer la lutte politique et économique, bon, bah voilà, d'une certaine manière, c'est une déviation, un révisionnisme de ce qui est perçu comme le courant orthodoxe de la social-démocratie. Et Lénine, il se porte comme voilà, le continuateur totalement orthodoxe de ce qui se passe en Allemagne. Et il cite Kautsky abondamment, et il a lui-même traduit le programme d'Erfurt, qui a été adopté par la social-démocratie allemande au début des années 90, et qui est écrit encore par Kautsky. Y compris le rôle des intellectuels pour ces social-démocrates-là, c'était révolutionnaire, c'est-à-dire Lénine et Kautsky, il est aussi dans le fait que la classe ouvrière, elle a besoin, l'avant-garde ouvrière, pour vraiment amener l'émancipation sociale de l'intérêt de la société, elle a besoin d'une conscience des rapports de classe, des rapports de force dans la société. C'est-à-dire qu'en tant qu'ouvrier, tu n'as pas juste t'intéresser aux questions des ouvriers. Tu dois savoir que répondre à un paysan qui a envie de résoudre le problème agraire. Tu as besoin de te préoccuper de ton collègue qui subit une oppression nationale. Tu as besoin de comprendre que, bah, au sein même de la bourgeoisie ou des classes dominantes, il peut y avoir des frictions dans lesquelles peut-être un moment, non seulement que tu peux expliquer, mais dans lesquelles tu peux t'engouffrer. Bref, il y a besoin de faire de la politique et les intellectuels, à ce moment-là, bah, c'est ceux qui ont l'accès le plus facile à la littérature, à la science, etc., etc., etc. Merci. Donc, là-dessus, contrairement aux économistes qui disent on va uniquement faire de la lutte économique des ouvriers par les ouvriers qu'avec des ouvriers, le reste de la social-démocratie révolutionnaire, elle dit non, l'avant-garde ouvrière, elle doit faire de la politique, c'est-à-dire qu'elle doit s'intéresser à tous les problèmes qui parcourent la société. Et en Russie, quand même, la classe ouvrière, c'est 5 à 10% de la population, ça dépend de la période. Tout le reste, c'est des paysans. D'ailleurs, beaucoup d'ouvriers sont eux-mêmes des anciens paysans, pas tous, il y en a qui sont là depuis plus longtemps. Donc il faut quand même... tu peux pas, ils sentent encore avoir un pied à la campagne, donc tu peux pas totalement ne pas leur parler de ces problèmes-là. Pareil, le fait qu'il puisse y avoir une oppression nationale, le fait qu'il puisse y avoir une dictature militaire tsariste, réactionnaire, bon, bah, ça pousse quand même un certain nombre de choses. Je parle pas de la question des femmes, etc., etc. Donc, si on veut pouvoir entraîner l'entièreté de la classe, il faut être capable de s'adresser à tous les particularismes qui traversent la classe ouvrière. Un des débats les plus connus sur cette question-là, ça peut être celui
qu'a eu Lénine avec Rosa Luxembourg et son parti en Pologne, qui refusait de prendre en compte, d'une certaine manière, la question nationale et de se battre pour le droit à l'indépendance des Polonais, là où le Parti social-démocrate russe, lui, il va mettre en avant ce droit-là. Et on va voir, suite aux périodes révolutionnaires, que le Parti russe, y compris, va se développer en Pologne, là où, normalement, on aurait pu imaginer que c'est Rosa Luxembourg et ses amis, mais qui vont plutôt, eux, péricliter. Donc si on veut pouvoir amener à la révolution, il faut prendre en compte l'entièreté des problèmes qui parcourent la société. On ne peut pas proposer une politique pour l'émancipation de la classe et du reste si on ne s'intéresse pas à tous les problèmes particuliers qui se posent. Donc c'est pour ça que voilà, Lénine va dire « Notre militant type, c'est un tribun populaire. » Il ne dit pas « C'est un militant ouvrier de choc. » Enfin, vous voyez peut-être la différence que j'essaie de mettre. Peut-être pas, j'espère. Donc, la construction du parti, derrière ces idées, elle se fait par tâtonnement. Avec le développement de l'ISKRA et de ses structures, les iskristes, ils veulent construire un parti comme en Allemagne, et un parti ouvrier, social-démocrate, centralisé. Mais s'ils veulent faire ça, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire ça. En fait, il y a des conditions particulières en Russie. La première que vous connaissez, c'est la dictature militaire, enfin, c'est la clandestinité, c'est tout ça. Mais c'est aussi qu'il va y avoir deux révolutions, dont une première en 1905. Parce que si le programme, on va dire, d'une certaine manière, est le même, en tout cas sur le papier, les militants, eux, et le matériel humain, on va dire, n'est pas du tout le même en Russie et en Allemagne. Un militant en Russie, bon, il est obligé, s'il ne veut pas se faire arrêter, non seulement d'être dévoué corps et âme, mais d'être capable de saisir des faux papiers, de changer de ville, de vivre dans la classe ouvrière, de se cacher dans la classe ouvrière, même sans avoir de travail, etc. etc. C'est pas du tout la même situation, se faire poursuivre par les flics, s'enfuir, donc avoir plein de choses en tête un peu en permanence. Un social-démocrate allemand à l'époque, on va dire l'adhérent moyen, bon, il est adhérent au parti, il va au club de sport du parti, il lit les brochures du parti, il fait son mariage dans la mairie du parti, il vote pour le parti, il est dans le syndicat du parti, mais la répression policière n'est pas forcément la même. La question de la révolution se porte pas du tout avec autant d'acuité. D'ailleurs, la révolution, elle n'a pas lieu en Allemagne avant 1918. Même cette perception-là, c'est comme nous, la révolution, on ne l'a pas vécue. Si on l'avait demain, ça changerait sans doute des choses dans notre tête et dans notre manière de percevoir, même si on l'a raté d'une certaine manière. Donc, ce n'est pas possible en Russie de mener du travail dans des syndicats. Ou alors, il faut aller dans les syndicats policiers. D'ailleurs, Lénine, il est pour. Parce que pour lui, dès qu'il y a une structure ouvrière qui existe, il faut l'investir pour ne pas laisser les autres courants prendre la tête de potentielles révoltes ouvrières. Donc voilà, le parti allemand et le parti russe, c'est pas le même. D'ailleurs, il y a beaucoup de questionnements chez les militants russes sur quel type de parti on veut. Certains disent il faut d'abord construire un état-major, on va le planquer, et le jour où il y a la révolution, là on pourra commencer à recruter des gens. D'autres qui disent non, il faut recruter des gens, donc y compris le drapeau social-démocrate, faut peut-être le planquer, peut-être le mettre de côté. Et il y a un troisième courant, on va dire celui d'un gars qui s'appelle Yadov, mais en fait, y compris, on pourra dire, de Lénine, en fait, d'un peu tous ces praticiens vétérans, qui dit il faut élargir autant que possible le cadre de l'organisation secrète, tout en préservant le caractère conspiratif de l'état-major, et le lier directement aux masses par toute une série de réseaux. Et donc, ces réseaux, bah, ça va être les cercles, les tracts, les tentatives, d'une certaine manière, les cercles de lecture du journal. Ils vont, le fait d'aller dans des clubs ouvriers qui sont pourtant gérés par la police ou gérés par d'autres courants politiques. Le fait d'aller dans les syndicats policiers. Ils cherchent toutes les petites brèches par lesquelles ils peuvent se lier aux masses. Et comment on sait qu'ils y ont un peu réussi? Outre le fait que les ouvriers lisaient le journal et qu'ils envoyaient des articles, de l'argent pour le financer, il y a le fait qu'ils ne se faisaient pas arrêter toutes les deux minutes. Parce que quand tu étais un militant, tu devais te planquer en fonction de la semaine, on va dire, dans une nouvelle famille ouvrière, et s'ils acceptaient de t'accueillir, c'est que t'étais relativement sympa. Donc, la construction d'une organisation centralisée, elle va servir, en fait, à ces militants disséminés dans toute la Russie, parce qu'elle va homogénéiser leurs pratiques, elle va permettre de construire cet appareil clandestin, mais Xavier en a déjà parlé. Je dirais juste que ça a énormément enthousiasmé ces militants. Quand Lénine dit « Donnez-moi une organisation de révolutionnaires et nous soulèverons la Russie »,
les gens ils disent bah oui, en fait c'est ça que nous on a envie d'être. Bon, je repasse, j'en ai déjà un peu parlé, mais cette question du parti, elle change en fonction des périodes. De 1902, 1903, 1904, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers dans les structures du Parti social-démocrate. Et d'ailleurs, ça va poser problème en 1905. En 1905, au début, lorsqu'ils font leur congrès, les bolcheviks, apparemment, à ce moment-là, c'est que les bolcheviks dans leur congrès, ils le réunissent à Londres. Ça fait déjà quelques semaines que la révolution a commencé. Ils disent on n'a qu'un seul ouvrier à Saint-Pétersbourg. C'est pas beaucoup pour diriger des soviets. D'ailleurs, le conservatisme, c'est-à-dire ces fameux praktiki, là, ces praticiens du parti des comités, que Lénine va appeler les comitards, enfin, qui s'appellent entre eux les comitards, eux, ils veulent mettre plein de barrières avant que les ouvriers arrivent au parti, y compris pour le protéger, le parti. Il faudrait pas se faire arrêter, vous voyez le truc. Bon, il leur dit, bon, il faudrait quand même qu'on recrute des gens, il faut ouvrir les portes dans cette période, et il faut un peu mettre fin à ce conservatisme où, en fait, ces comitats, bon, ils sont pas habitués à prendre la parole en public, voilà, ils dirigent pas de syndicats, de grandes structures, quand il y a les soviets, ils savent pas ce que c'est, ils s'y opposent, en réalité, ils vont dans le soviet de Petrograd et ils disent, on boycottera le soviet si vous refusez de vous soumettre à la politique du Parti social-démocrate. Vous imaginez que le soviet, il a répondu non. Bon, ils sont pas partis, ils sont pas boycottés, ils sont restés, finalement. Parce qu'ils étaient, quoi. Bon, voilà. Tant mieux. Donc voilà, finalement, d'ailleurs, Lénine, il va être mis en minorité, au Congrès, il va perdre sur cette question, mais la réalité, on va dire, va rattraper le parti, il va se remplir d'ouvriers, principalement de jeunes. Voilà. Alors, voilà, là, vous remarquez, on a un peu voyagé dans le temps. Que faire ? C'est écrit... ça sert aussi de base de lancement pour le congrès qui arrive en 1903. En fait, il y a eu un premier congrès du Parti social-démocrate, mais qui a été en fait un congrès presque des économistes qui s'est tenu voilà, à Minsk, qui s'est totalement fait arrêter. Ils n'ont même pas vraiment pu lancer leur journal. Donc, il y a vraiment beaucoup d'attention qui est portée sur le deuxième congrès qui arrive en 1903. À travers les agents de l'ISKRA, Lénine il prend contact avec tous les cercles, tous les comités, et il essaye de les gagner à la cause des iskristes, ce qui va réussir, puisque les iskristes, donc Lénine, Martov, Trotsky, tous ceux qui ont participé au comité de rédaction, sont majoritaires. Et vous remarquez que pour l'instant, on n'a pas dit bolchevique, on n'a pas dit menchevique, à part pour la révolution de 1905. Mais c'est parce qu'en fait, en 1903, lorsque le congrès arrive, il n'y a pas de différence entre Lénine et Martov. Qui va être le dirigeant des Mensheviks. Le premier point d'échoppement, il commence sur le fameux paragraphe 1 des statuts, où Martov il propose que le membre du parti soit celui qui accepte le programme du parti et le soutient par des moyens matériels. Ah non, pardon, l'histoire c'est l'inverse. Martov lui propose que le membre du parti. Excusez-moi. Lénine, il dit « Le membre du parti est celui qui accepte le programme du parti et le soutient par des moyens matériels et sa participation personnelle à l'une des organisations du parti. » Martov, lui, ce qu'il propose comme formulation à la place de participation personnelle, c'est « par une collaboration personnelle et régulière sous la direction d'une des organisations du parti. » Vous voyez, c'est pas la même chose. Être un intellectuel qui va aider qui va soit financer, qui va soit transmettre des bouquins... une fois dans l'année ou deux, trois fois, etc. C'est pas la même chose qu'un militant qui est soumis à la discipline de l'organisation tous les jours. Donc la question, c'est qui est vraiment membre du parti ? Vous voyez, les débats sont un peu flous, on voit pas trop ce qu'il y a de trop politique derrière. C'est pour ça que quand la question éclate et qu'il y a une minorité puis une majorité, Lénine à la majorité, Lénine majorité, Martov minorité à la sortie du congrès, on se dit pas, tiens, il y a une scission entre l'un et l'autre. Enfin, personne n'avait trop vu venir. En réalité, lorsque là où ça va un peu se grossir, c'est que lors du troisième congrès, sur la question de l'élection des organes de direction, c'est-à-dire du comité central, du comité de rédaction du journal, Lénine, il est majoritaire et il propose en fait de réduire le nombre de personnes au comité de rédaction. C'est-à-dire, avant, ils étaient 6, mais il y en avait 3 qui, en fait, bossaient pas beaucoup au journal, qui écrivaient pas beaucoup d'articles, et qui sont, du coup, retirés. Mais le problème, c'est que c'est principalement des amis politiques de Martov
qui du coup dit pourquoi est-ce que vous les virez, il faudrait les remettre. Et la scission, en plus de cette question du premier paragraphe des statuts sur la définition du membre du parti, il va s'ajouter la question de la composition des organes de direction. Et rapidement, Martov et ses potes minoritaires, donc Menchevik, on les appelait aussi les mous avant, Lénine, c'était les durs. Bon, voilà, on passe sur la dénomination. Ils ont finalement choisi Menchevik, Bolchevik. Les Mensheviks disent on boycotte les organisations du parti. Mais boycotter les organisations du parti, c'est aussi boycotter tout le système. Enfin, ça met un peu le bazar, quoi. Non seulement le journal, il sort plus, mais t'as toute une partie de l'organisation qui dit pas. C'est-à-dire que le parti passe énormément de temps à dire pourquoi vous avez fait ça au congrès, pourquoi vous avez fait ceci. Enfin, il y a des bagarres politiques. Et finalement, Plekhanov, qui était aussi à la direction du comité. Enfin, du comité de direction, il y avait Lénine, Plekhanov, Martov, finit par, alors qu'il était d'accord avec Lénine pour, on va dire, ne pas coopter les potes de Plekhanov, devant la désorganisation du parti, capitule et dit « Bon, bah, Martov, tu veux réintégrer qui ? Ok, on va réintégrer machin. » Donc, au final, Lénine se retrouve en minorité et la scission est consommée. Alors, elle est consommée, plus ou moins, il y a des endroits, y compris des bolcheviks du comité central, disent « Bon, en fait, il faut à tout prix lutter contre la scission, donc on va accepter toutes les demandes des Mensheviks. Donc Lénine passe énormément de temps pendant toute cette période à dire non, quand même, pourquoi la minorité serait majoritaire à la direction ? Ouais. Lui, il le pose au départ comme ça, le problème, parce que ce n'est pas encore un problème politique. Ce n'est pas un débat d'orientation à ce moment-là. C'est un débat de fonctionnement, on pourrait dire. Mais évidemment, le débat politique, il va arriver. D'ailleurs, vous le connaissez. En 1917, les Mensheviks, les Bolcheviks, c'est pas totalement la même politique. En 1905, en fonction que tu sois au début ou à la fin, c'est pas forcément la même non plus. En réalité, rapidement, les Mensheviks, ils vont recevoir le soutien des anciens économistes contre lesquels ils s'étaient battus avec Lénine. Et ils vont former un nouveau courant politique, d'une certaine manière. Ils vont reprendre certaines thèses des économistes. Ça va dépendre un peu des périodes. On va pas du tout détailler ça, parce que c'est pas l'objet de que faire, et voilà. Mais c'est pour montrer que faire, c'est pas du tout que les bolcheviks. Ça a été un projet de l'ensemble des iskristes à un moment donné, donc des mensheviks y compris plus tard. Donc voilà, on peut pas dire que faire, c'est le bolchevisme. C'est quand même quelque chose d'un peu différent. C'est pas les premières étapes du bolchevisme. C'est la situation politique qui va exacerber la scission en posant la question de qui doit diriger la révolution. Est-ce que c'est les bourgeois, comme le disent les Mensheviks ? Est-ce que c'est la classe ouvrière et les paysans, comme le propose Lénine ? Est-ce qu'il faut se battre ? Enfin, je passe là-dessus. Et pour terminer, en gage de conclusion, en 5 petites minutes peut-être, pourquoi est-ce qu'on se pose toutes ces questions sur que faire aujourd'hui ? Bon, outre le fait qu'on apprend des choses sur la construction du parti, etc. en Russie, ça posait quand même, d'une certaine manière, un débat au sein des social-démocrates sur quelle délimitation entre le parti et la classe. Est-ce qu'il faut tout le monde dedans ? Est-ce qu'il ne faut pas tout le monde dedans ? Qu'est-ce que c'est vraiment un parti d'avant-garde ? Est-ce que c'est ça qu'on veut ou pas ? Comment ? Il y a d'abord tout un débat après la scission de 1903 où Lénine et Luxembourg vont critiquer Trotsky et Luxembourg vont critiquer Lénine en disant t'es hyper centraliste, t'es substitutiste, c'est-à-dire que tu penses que le parti doit se substituer à la classe, le comité central doit se substituer au parti, et évidemment, au comité central, c'est toi qui dois te substituer, parce que c'est toi le chef. Voilà, une belle pyramide. Bon, il y a un débat un peu tronqué à ce moment-là, mais si vous voulez un peu savoir comment Lénine voyait la question, je vous invite à lire « Un pas en avant, deux pas en arrière », qui est la brochure qui sort à la sortie du congrès. Il fait aussi une brochure pour répondre à Rosa Luxembourg, pour lui expliquer que le problème, c'est pas la question du centralisme, parce que il y avait les Mensheviks étaient tout aussi centralistes. D'ailleurs, le Bund était tout aussi centraliste que Lénine. C'est juste que Lénine était majoritaire. Donc voilà, d'une certaine manière, la centralisation allait dans son sens. Mais voilà, la question, c'est pas la démocratie contre le centralisme. Que faire ? Et encore moins tout ce qui se passe après. Enfin, c'est vraiment pas que faire, en tout cas. Et la question... Voilà, comme on l'a dit là, un moment dans la discussion... le parti social-démocrate russe, le parti allemand, même s'ils voulaient faire la même chose et que Lénine le voyait de la même manière avec ses potes, ils ont créé quelque chose d'autre par le fait des conditions spécifiques des pays en question. Mais je ne reviens pas là-dessus parce qu'on l'a déjà plutôt détaillé. Donc,
nous, ça nous pose, enfin voilà, que faire, ça nous pose, enfin ça nous remet un peu dans ces débats-là, de savoir dans quelle mesure, qu'est-ce que nous on veut construire et comment. Vous savez, il y a souvent ces débats-là dans le trotskisme des dernières années. Est-ce qu'on veut un parti d'avant-garde révolutionnaire ou est-ce qu'on veut un parti large ou un parti de classe qui ressemblerait à autre chose, dans lequel il y aurait différentes tendances du mouvement ouvrier qui irait d'anticapitaliste à révolutionnaire ou peut-être même réformiste, pas forcément anticapitaliste. Est-ce que c'est ça qu'il faut construire aujourd'hui ? Il y a des organisations qui font ce pari-là. Il y en a d'autres comme nous qui faisons le pari. Non, il faut quand même un parti d'avant-garde. Mais entre avant-garde... la direction à l'étranger, clandestinité, quand t'es un militant, on peut te déplacer à tel endroit. D'ailleurs, il n'y a aucun ouvrier dans le parti. Et bon, bah, on est un parti clandestin, mais on essaie d'avoir des réseaux dans la classe ouvrière, puis on essaie d'en recruter. Enfin, c'est jamais des questions vraiment, vraiment trop simples. Nous, ces débats-là, ils peuvent nous permettre de discuter de ce qu'on veut. Quel degré de délimitation ? Est-ce que nous aussi, on veut construire un parti révolutionnaire ? Est-ce que révolutionnaire et anticapitaliste ? Je passe. En réalité, de quel degré de délimitation est-ce qu'on aurait besoin ? C'était ça la question de que faire et la question des débats entre mensheviks, bolcheviks et autres. De quel degré de délimitation avons-nous besoin pour réussir à influencer des équipes militantes ? Des équipes militantes ouvrières. Des équipes militantes ouvrières qui seraient capables elles-mêmes, grâce au parti d'une certaine manière, d'en entraîner d'autres, grâce à l'apport qui peut être donné. Surtout à un moment où on voit qu'il y a d'autres organisations ouvrières avec qui on se dispute la lutte des bagarres politiques. Là, on a notamment les centrales syndicales en France, ce qui n'était pas du tout un problème, hein, par exemple, des bolcheviks ou des sociodémocrates à l'époque. Les syndicats, soit ils n'existaient pas, soit ils appartenaient à la social-démocratie. Donc, combattre les directions syndicales à ce moment-là, ça ne se posait pas trop. En réalité, ça aurait dû, mais voilà. Mais nous, on a ce problème-là, quoi.